nationale, des forces vives de la nation. S'abonner, partager et commenter nos vidéos donnera plus de visibilité à notre chaîne Sweet Bénin, mais aussi nous permettra d'améliorer la qualité de nos contenus. Tel Phénix renaît de ses cendres, Béninois sans armes aux mains ont changé le cours de leur histoire. Ensemble donnons-nous la main pour bâtir un monde plus juste, où les hommes par la voix des hommes. C'était le bureau provisoire. Ouais, tout en respectant la liberté de parole et en tournant résolument dos à toute velléité de dictature, je voudrais souhaiter que nous travaillions dans la discipline et dans l'exactitude. Puisque nous sommes en train de travailler à ce qui sera demain la fondation, la base de ce pays, de ce Bénin nouveau. Alors commençons par respecter notre règlement intérieur qui dit que tout le monde a droit à la parole. Mais au moins, écoutez d'abord ce qu'il veut dire. Est-ce que c'est une motion d'ordre? Est-ce que c'est une motion de procédure? Mais qu'ils disent et nous allons voir. À profiter du jour du salut, sommes-nous décidés à ne pas laisser la présence de Dieu dans cette salle dont nous allons faire l'expérience? Sommes-nous décidés à ne pas laisser simplement se cacher. Tout le monde, Seigneur, car éternel est son amour. Merci. De piété qui a présidé à votre avance, son excellence monseigneur Isidore de Souza ici présent. Nous lui rendons un vivant hommage pour son courage, sa passion, sa sensibilité et sa fermeté, et surtout pour sa vie. Nous n'avons plus besoin de recourir aux armes. L'esprit patriotique nous dit que le respect du droit à la différence de l'humanité. Et ça, que nous déclarons les travaux de la conférence nationale de toutes les forces vives de la nation. La conférence nationale des forces vives réunie à l'hôtel PLM Alejo à Cotonou affirme sa détermination d'arrêter les mesures propres à dénouer la crise actuelle par des voies pacifiques et sa volonté d'instaurer la démocratie et le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de promouvoir le progrès économique et social.
il décide de mettre en place un organisme national approprié pour le suivi de l'exécution des résultats de ses travaux. Il décide qu'elle adoptera une charte d'union nationale qui servira de base pour l'élaboration d'une nouvelle constitution par une commission qu'elle mettra elle-même en place et qui travaillera en toute indépendance vis-à-vis des structures de l'État. Il décide que le texte du projet de constitution ainsi rédigé sera soumis à un référendum sous le contrôle de l'organisme national de suivi. Il décide que l'organisme national de suivi est habilité à contrôler le processus de transition et la mise en place des institutions de la prochaine. Il proclame solennellement sa souveraineté et la force exécutoire de ses décisions. Il lance un appel au peuple béninois pour qu'il appuie effectivement les décisions et mesures conformes à ses intérêts qui seront issus de ses travaux. Il demande à toutes les forces vives de la nation de contribuer pleinement à l'application diligente et intégrale de ces décisions et mesures. Vive la conférence nationale des forces vives de la nation. Jamais de coup d'état, nous n'avons plus besoin de recourir aux armes. L'esprit patriotique nous dicte le respect.